C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Brawlstar. Aujourd'hui, on va faire le pigeon en dépensant 1000 euros en méga boîte sur Brawlstar. Oh là 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 là. Je me frotte les mains parce qu'on va se régaler. On est sur mon autre compte Brawlstar où j'ai un budget de 1000 euros. J'avais déjà dans des précédentes vidéos. Voilà, je m'étais fait plaisir. On avait acheté des brawlers légendaires. On les avait mis niveau max. On avait acheté Mortis, la licorne qui est un nouveau brawler, etc. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à la récente mise à jour qui sont les méga boîtes. Oh là là, il y en a plein. J'espère vraiment qu'on va choper de nouveaux brawlers légendaires et des skins exclusifs. Mais pour ça, comme vous le voyez, on n'a clairement pas assez de gemmes. Donc on va directement acheter l'offre la plus chère. Ici KevCo du futur, juste pour te dire que je viens d'obtenir le code créateur des pigeons sur Brawl Stars et tous les jeux de Supercell. Pour l'instant, c'est KevCo avec 3 O et peut-être dans le futur, ça sera KevCo tout simple. Merci à tous les pigeons qui vont l'utiliser. Je vous réserve de grandes récompense dans les prochaines vidéos. Allez, ciao! J'espère juste que le paiement va passer. Attention! Suspense, suspense! Oui! Votre achat a bien été effectué. 2000 gemmes qui viennent s'ajouter sur le compte et on peut directement commencer avec une méga boîte gratuite pour débuter cette vidéo et que tu me mettes ton gros pouce bleu et tu t'abonnes à la chaîne si tu veux que je fasse plus souvent le pigeon sur Brawl Stars. Mais moi personnellement, cette mise à jour, je l'adore. On a 3 objets restants, donc honnêtement, c'est pas incroyable. Je pense pas qu'on va choper un skin ou un brawler à l'intérieur. On a uniquement obtenu une petite émote. Bon, par contre, maintenant, ces méga boîtes, il faut les mériter. On va en acheter à chaque top 1 qu'on fait. Mais je vous rappelle qu'on a une offre de 20 méga boîtes qu'on va bien évidemment acheter aujourd'hui. C'est parti pour la première game. Heureusement, j'ai déjà fait le pigeon et qu'on a des brawlers légendaires niveau max. Ça va être un petit peu plus simple pour faire des top 1. Parce que moi, j'ai vraiment envie, mais d'acheter toutes les méga boîtes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez acheté quelques petites méga boîtes et est-ce que vous avez obtenu des brawlers légendaires à l'intérieur ou en tout cas des skins intéressants. Bien sûr, on fait la stratégie de farmer les petits power cubes, comme ça on est quasiment sûr de faire top 1. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun ennemi là. Regardez, il y a tout qui est pour moi. Là, moi je me sers. Oh, il y a des gens là-bas. Vas-y, je vais balancer mon outil dessus sur le petit boule. On lui balance tout en pleine tronche. Il a quand même 5 power cubes. Ok, c'est bon, il est mort à cause de mon outil. Oh, il faut absolument faire top 1. Sinon, j'ai pas le droit d'acheter des méga boîtes. Mais c'est bon, c'est une victoire pour le pigeon. On va pouvoir s'acheter des méga boîtes magnifiques. En plus, on gagne des trophées et des petits prix stars gratuits. Eh, mais trop de choses gratuites aujourd'hui. Mais il faut surtout qu'on atteigne aussi les 300 trophées pour débloquer les événements spéciaux. Parce que comme vous pouvez le voir, pour l'instant, je peux pas jouer aux nouveaux événements. Mais par contre, je peux acheter des méga boîtes. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. On continue le pack opening. Oh, cet objet restant. Oh, let's go les gars, c'est sûr qu'on a un skin. Ou alors un nouveau brawler. Ok. Oh, ça clignote. Ça clignote, attention, on ouvre. Oh, Spike Sakura. Je pensais d'abord que j'avais pas Spike, mais c'est vrai que je l'ai déjà sur ce compte. On chope encore un skin de Colt. Colt le Rocker. Mais j'ai vraiment trop de chance. Une petite icône de joueur et une émote. Franchement, c'est très sympathique. On a du coup aussi la deuxième boîte qu'on va directement pouvoir enchaîner. Seulement 2 objets. Là, on est sûr que c'est éclaté. Je crois que c'est la pire méga boîte que j'ai jamais ouverte. Ok, c'est bon, parfait. Je viens de farmer les 300 trophées. Et comme ça, on peut déjà récupérer les quêtes de saison. Mais surtout, les événements spéciaux. Et on a du coup obtenu ce petit onglet où on doit farmer les méga boîtes pour choper tout simplement ricochet souverain. On aura aussi le ricochet des gemmes. Et on a débloqué le mode de jeu miroir et relais de brawler qui est personnellement mon préféré. Bon allez, maintenant il faut faire top 1, sinon je dois acheter la prochaine offre de méga boîte. Vas-y, on part tryhard. On est sur le petit compte où on a 1000 euros de budget. Chaque fois, ces vidéos me coûtent très très cher. Donc si tu veux soutenir la chaîne, il faut juste mettre ton petit pouce bleu et t'abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ok, ricochet qui me fonce dessus. Je vais essayer de lui mettre des dégâts quand même. Je trouve ce mode de jeu honnêtement pas mal compliqué. Allez, viens la Mortis. Arrête de me faire perdre du temps, je dois me dépêcher. Mais non, il fait exprès les gars. Pour ceux qui n'ont pas compris le mode de jeu, c'est que tu as un brawler et à chaque fois que tu fais un kill, tu évolues dans un autre brawler. Mais du coup là, je suis en train de me faire fumer les gars, on va encore perdre. Et si je fais pas top 1, je vais devoir acheter la prochaine offre de méga boîte. J'ai bien l'impression que je vais devoir l'acheter là. Vu comme c'est parti, je le sens personnellement très très mal. Il y a pas entre un petit dynamite juste ici. Normalement, je vais pouvoir lui mettre la raclée. Allez, viens par là. Après, faut savoir que je suis très très mauvais avec Colt. Honnêtement, c'est un des brawlers que je joue le moins bien. Vraiment, j'ai trop de la peine à faire ma première évolution dans ce mode de jeu. Et en plus, on m'a volé le kill, les gars. Ok, là par contre, le El Costo.
Non, mais même en balançant mon ulti, on n'arrive pas à passer au prochain brûleur. Je suis actuellement 10e. Je suis vraiment la grosse merguez de la partie. Ok, là il y a un Mortis. Oh, Colt contre Mortis, je vous avoue que c'est un petit peu chaud. Il a plus trop de points de vie. C'est bon, il y a que des joueurs super forts dans ce mode de jeu par contre. C'est bon, on s'est transformé en Mortis. En plus, on a un magnifique skin dessus. Faut juste faire attention à l'ulti de Colt qui peut faire très très mal s'il le balance bien. J'ai l'impression qu'il voulait pas trop m'affronter. Hop là, on enchaîne les kills. On a maintenant Dynamite. On va essayer de tuer le petit Mortis juste ici. On balance l'ulti. Boum. Ok, là je suis en train de faire une remontada de malade. Ce serait vraiment beau que je fasse le top 1 alors que je galérais au début avec Colt. Et maintenant, malheureusement, le top 1 a été réalisé. Donc j'ai perdu. On n'obtient pas de petites étoiles pour obtenir une méga boîte gratuite malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est un gros pigeon et donc on va tout simplement acheter les méga boîtes. Voilà. On va pas se compliquer la vie. On va acheter aussi les petites gemmes qu'il y a juste ici. 4000, ça fait toujours très très plaisir. Le petit cadeau gratuit, le double cadeau gratuit, les petits crédits, c'est utile vu qu'on n'a pas tous les brûleurs sur ce compte. Et on ouvre 5 méga boîtes pour un total de 200 gemmes. J'aimerais bien vraiment brûleur légendaire et des skins de malade. Attention, oh, 6 objets, ça c'est trop bien. Ça veut dire qu'on a forcément un skin ou un nouveau brûleur. Attention, ça va clignoter je pense. Oh, ça clignote pas. Non, ah. Bon, bah je me suis bien fait arnaquer sur cette méga boîte. On a chopé une émote un petit peu intéressante. Mais nous, on est clairement venu pour chercher aussi un skin de ricochet des blings. Il est incroyable. Et en plus, j'ai pas réussi à l'obtenir sur mon compte principal. Donc si on l'obtient sur ce compte, je serai vraiment ultra content. Même si pour l'instant là, c'est pas très très bien parti. Mais on a encore quasiment 50 méga boîtes à ouvrir. Donc on va pas s'inquiéter pour le moment. Dernière méga boîte. On a mais vraiment eu une poisse de malade dans ce pack opening. J'espère que là, les deux offres qui coûtent super cher, elles vont être meilleures. Bon, on a aussi la petite offre où chaque jour, on peut récupérer 2 mégawatts. Ça, ça fait aussi plaisir. Et puis bon, si déjà on a 1000 euros de budget, je vois qu'il y a la petite offre Poly Athena où il y a des prix stars à ouvrir et surtout un prix star légendaire. Mais vas-y, ça, on se le garde pour la fin de la vidéo. Bon, on va tenter le mode de jeu miroir aussi. Pour moi, il est plus simple. Faut juste voir sur quel brûleur on va tomber. Oh, affrontement de boules. Ça va partir dans tous les sens. Malheureusement, j'ai pas de skin sur boule. Faudra clairement que j'aille en acheter un pour avoir un petit peu la classe dans ce mode de jeu. Ok, on va essayer de les éclater. À chaque fois, c'est la grosse bagarre au milieu. J'ai balancé mon ulti. J'ai pas de gadget non plus sur boule. Ça, c'est une très mauvaise chose. Mais ça va, on les a tous tués. Je sais même pas si mon boule, il est niveau max. Ça, il faudra clairement que je le mette après. Ok, je vais casser leur mur déjà. Ça, c'est une bonne chose. Ok, ils vont sûrement me tuer. Là, c'est un petit peu chaud pour nous. Les trois boules sont en train d'arriver contre nous. Oh, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de classement dans ces modes de jeu. Tu peux affronter vraiment des joueurs super forts ou alors super nuls. Oh, vous allez me dire, vu qu'il n'y a pas de trophée à gagner. Ouais. Genre, tu peux vraiment affronter tout le monde. Mais du coup, je me fais quand même assez souvent fumer. J'ai l'impression qu'on joue contre des pro players la plupart du temps. Après, en même temps, il y a des méga boîtes pour les gagnants. Tu m'étonnes que ça tryhard très très fort. Normalement, c'est pas goal. Balance encore une fois mon ulti. Ah, il m'a esquivé. Oui, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Ah, j'ai 140 points de vie. Ça va, il est venu m'aider, notre allié. Et on va l'aider aussi à notre tour. Allez, faut qu'on gagne là au bout d'un moment. J'ai l'impression qu'on galère quand même un petit peu contre ses adversaires. Hein. En plus, ils ont marqué un goal alors que nous, pas du tout. Non, il y en a un, il a FK. Mais non, il y en a un, il a arrêté de jouer. C'est une dinguerie, ça. On va se prendre évidemment le deuxième goal. Et ben c'est encore une défaite. Vous savez ce que je dois faire à une défaite. On doit acheter les méga boîtes. On est quand même joueur star. Voilà, ça fait plaisir. On a perdu, mais avec classe. Attendez, déjà on va refaire ce mode de jeu après. Mais je vais d'abord améliorer mon petit boule. En fait, je suis en train de me dire, j'ai même pas le brawler. Hop là. Problème résolu. C'est ça qui est bien. Quand on a un compte où on a budget illimité pour faire le pigeon, et ben on n'est pas du tout limité. On va le mettre. Pouvoir 9. Mais le plus important pour moi, c'est clairement de lui acheter un beau petit skin. Et j'adore le boule Minotaur. Donc ça part direct, on l'achète. Et après on va pouvoir éclater les adversaires. Et donc comme prévu, on va acheter les 10 petites mégabottes. Ou vous savez quoi, vu que j'ai déjà acheté un skin de boule, on va plutôt d'abord acheter cette offre. Et ensuite on continuera avec le pack opening des mégabottes. La petite Poly Athena qui est magnifique, un de mes skins favoris. On va maintenant ouvrir tous nos petits prix stars, même si je sais qu'aujourd'hui
on s'intéresse plutôt aux méga boîtes. Mais bon, hein, le concept c'est clairement qu'on a 1000 euros de budget, on peut en faire ce qu'on veut sur ce petit compte. Donc on va acheter absolument toutes les offres qu'il y a dans la boutique, ça fait toujours plaisir. Les prix stars, je vais vraiment aller super vite parce que nous ce qui nous intéresse c'est soit des nouveaux brûleurs ou des nouveaux skins. Et si les prix stars ils sont juste de rareté rare, ça nous intéresse pas du tout. Allez, vous êtes prêts? On va aller super vite. Enfin, j'ai pas du tout de chance. Déjà dans les méga boîtes sur ce compte, j'ai pas eu de chance. Oh, mais on a que du rare. Mais what? Mais c'est dinguerie. Mais quoi, j'ai jamais eu autant la poisse. Ok, petit prix star mythique quand même. On a chopé un gadget de Spike. Bon, c'est mieux que rien, mais honnêtement, on pourrait quand même se plaindre parce que là, on n'a pas du tout eu de chance sur ces 10 prix stars. Allez, dis-moi que le prix star légendaire, on obtient quelque chose d'un petit peu meilleur. Attention, une hypercharge Turbi. Bon, ça vaut quand même 5000 pièces. C'est pas un brûleur dégueulasse, donc on va pas trop se plaindre. Alors, si maintenant on fait une défaite, je vais devoir acheter l'offre pour 10 méga boîtes à 300 gemmes si je raconte pas de conneries. Donc ça commence à faire cher. On a cette fois-ci un magnifique skin. J'aurais peut-être dû limite maxer le brûleur, lui acheter les gadgets, les poissards, etc. Mais bon, je suis pas un grand fan de boules non plus, donc ça serait un petit peu inutile. Et là on se prend déjà une contre-attaque, on va pas de nouveau perdre. S'il vous plaît. J'ai pas acheté un skin pour rien. Ok, là ça serait vraiment débile d'utiliser mon outil et de casser notre mur. Donc on va plutôt l'attendre pour le choper en 1v1. Ok, il a pas réussi à marquer. On a notre boule Minotaur qui est très très stylé comme skin. Vu qu'on a la classe, normalement on devrait faire du top 1. Ok, j'ai réussi à le tuer. Maintenant on part à l'attaque. Les alliés se font éclater depuis avant, mais vous inquiétez pas, je vais passer tout droit. Oh, pas mal. Oh, le goal qui était marqué. Ça c'était une belle action. Bande de gros noobs en face. Ok, on va utiliser l'ulti. Oh là là, ça part dans tous les sens et ça change à chaque fois les brawlers, hein. Mais déjà joué à ce mode de jeu, on jouait par exemple avec 3 contre 3 Mortis. Mais j'avoue que boule, ça va, c'est assez marrant. Je vais directement tirer, hop là, dans le coin et on a marqué le deuxième goal. Let's go. J'aurais pas besoin direct de dépenser mon argent pour acheter des méga boîtes. Et on va retester le mode de jeu relais de brawler qui est quand même plus compliqué. Et là, comme avant, si je fais pas top 1, je dois acheter la prochaine offre de méga boîte. Donc 10 méga boîtes. Je pense que c'est vraiment là, si j'arrive à tuer un colt. Oh oui, let's go. Regardez, j'ai tué un colt. Je pense que là, il y a moyen vraiment qu'on gagne dans ce mode de jeu. Oh, oh, j'ai envoyé mon ulti. Oh, le triple kill dès le début de la game. Et c'est vraiment ça qu'il nous faut, hein. Là, je pense qu'on va. Oh, j'étais à ça, les gars. J'étais en train de spammer pour envoyer mon attaque. Malheureusement, j'ai pas réussi. On prend un petit peu de retard, mais pour l'instant, on est en top 1. Donc ça c'est vraiment très très cool. Je gagne jamais dans ce mode de jeu, donc là ça me ferait vraiment plaisir. Ok, il y a un dynamite en haut. On peut aussi essayer. Oh, j'allais dire de voler des kills, mais là c'est moi, on vient de me voler mon kill. Mais d'une manière, les gars, je lui avais mis tous les dégâts. L'autre il a juste terminé le boulot et il a chopé l'évolution. Ça c'est quand même un petit peu de l'arnaque dans ce mode de jeu. C'est que t'as meilleur temps de ramasse mettre que de mettre le plus des dégâts. Ok, bah là encore une fois on me vole mon kill. Allez, mais non, mais c'est pas possible. Ce mode de jeu est clairement injuste. Ok, là, il y a un petit dynamite. Je pense qu'il y a moyen qu'on l'éclate. Évidemment, il y a Mortis qui vient chercher. Hop là. Moi, j'avoue que c'est moins cher à l'assiette. Mortis qui vient en 1v1 contre El Costo. Voilà, il a cru que j'étais qui. On a notre petit Poco. Voilà, Poco, c'est quand même pas mal chaud. Ah, j'ai pas réussi à tuer le dynamite. Vas-y. Oh non, il lui manquait 200 points de vie. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, je suis encore en première position. Mais il faut pas que je perde trop de temps avec mon petit Poco à enchaîner un petit kill. Et Dynamite qui va sûrement balancer son ulti. Magnifique, vas-y, je vole le kill. Balance l'ulti. Bon, j'avoue qu'avec Poco, j'avais oublié que ça servait absolument à rien. Vas-y, le spike. Non, non, mais j'y arrive pas. Je vous rappelle là, si je fais pas top 1. Oh non, je suis en troisième position. Si je fais pas top 1, je vais devoir acheter 10 méga boîtes. Le El Costo qui m'a volé mon kill, c'est vraiment scandaleux. À la limite, le Poco, je peux essayer de me le faire. 1000 points de vie. J'ai pété un cap. En plus, le dernier, c'est Franck, mais ça va être trop facile de faire un kill. Oh, quoique, il s'est fait exploser sa tronche là en bas. Je suis en 4ème position alors que j'étais tellement en tête depuis avant. Ok, le spike, je peux me le faire. Ok, je suis en Franck. Allez, retournement de situation. Oh, j'ai gagné. Et franchement, même moi, j'y croyais plus. Mais là, c'est une victoire bien méritée. On chope des petits prix stars. Allez, tu sais quoi? Pour fêter ça, moi, je dis, on achète des méga boîtes.
Normalement c'est pas du tout ça le concept. Mais là j'ai envie de faire du pack opening, donc on va ouvrir. Et dis-moi qu'il y a beaucoup de petites cartes. Objets restants, 5. C'est pas énorme. Oh, ouh, petit skin boule viking qui est super stylé. Ah, oh, je suis content là. Là on a chopé déjà un bon skin. Ça sent un bon pack opening. Là je pense que les 10 mégaboîtes et les 20 mégaboîtes qui vont suivre, on va avoir pas mal de chance. Bon, évidemment pile quand je dis ça, oh, on chope la pire mégaboîte possible. Et allez, on baisse pas les bras, on garde espoir. Ça clignote, allez s'il te plaît. Un skin de fou, ricochet des blings. Oh, nouveau brawler débloqué. La petite Maisie. Eh les mégaboîtes, moi je suis trop content que c'est de retour. Si toi aussi tu es content, tu mets ton gros pouce bleu et tu t'abonnes à la chaîne, comme ça on va pouvoir faire d'énormes pack opening ensemble. Et beaucoup d'objets, 5 ça peut être pas mal. Regardez, ça clignote déjà, attention. Oh, broc requin, plutôt pas mal. Ah non, c'est broc à la plage. C'est vrai que broc requin n'existe pas du tout, mais je voyais quel skin c'était. Allez, mais donne-moi des trucs un petit peu plus stylés là. Il nous donne des petits skins, 6 objets restants. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Oh, oh, Shelly Stellar. Ça c'est la réplique du skin Shelly Star. Je suis assez content de l'avoir obtenu. Oh là là, c'est sympa, c'est un beau skin sur Shelly en plus. 3 objets restants. On devrait normalement bientôt choper le petit ricochet de gemme, parce que on a ouvert 10 mégaboîtes. À mon avis ça doit être maintenant. Non, toujours pas. Ok, des petits blings. Allez, on continue à ouvrir des mégaboîtes. 6 objets restants. Là c'est sûr qu'on obtient un truc, ça clignote. El costo, el gros costo. Pas mal du tout. Ça clignote encore, et mais on enchaîne. Shelly Sheriff. Bon, je préférais la petite Shelly Stellar. Au moins, de nouveaux skins sur Shelly. On va clairement pas se plaindre. Ok, des pièces en or aussi, ça nous met très très bien. Icône de joueur, pourquoi pas. Oh, ah oui, on a obtenu ricochet. Et du coup, directement aussi, le ricochet souverain qui est magnifique. Je pensais que j'avais appuyé à un endroit. Oh, attendez, il y a des petites gemmes ici et des points de pouvoir. Ça, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle qu'on a 1000 euros de budget aujourd'hui. Donc, on peut clairement faire les gros pigeons et acheter tout ça. Mais il nous reste toujours les 20 mégaboîtes. Bon, je vous avoue, j'ai bien envie de jouer avec le nouveau skin ricochet qui a quand même pas mal la classe. On va l'améliorer un petit peu, voilà. Pouvoir 10, ça va très bien. Et on va éclater les gens en hors-jeu. Bon, je viens d'y penser, mais en fait, on a 0 trophée. Donc, on va sûrement tomber contre des grosses merguez. Mais allez, c'est pas grave. Au moins, j'ai un bon skin. Oh, oh là là, j'ai pris un petit peu trop la confiance. J'ai failli mourir dès le début. Mais c'est bon, on a quand même gagné cette manche. Ah ouais, effectivement, ça va aller très très vite. Ils sont très très mauvais en face. Bon, on va peut-être retourner sur les autres modes de jeu. On va directement faire le pack opening. Ça ira plus vite. Allez, Daryl. Il l'a terminé. C'est encore une victoire. Moi, j'adore les skins ricochets. Ils sont vraiment magnifiques, les petits ricochets souverains. Mais moi, j'aimerais beaucoup obtenir ricochet souverain des blings. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir les 20 mégaboîtes maintenant. S'il te plaît, Rollstar, donne-moi les skins exclusifs de ricochet. 7 objets restants. Oh oui, ça sent bon. Oh, ça sent bon, c'est moi qui vous le dis. C'est qui ça? El Costo, encore une fois. El Rey Costo. Bon, ça nous fait plein de skins, moi je suis content. Petit brawler belle, petit nouveau brawler épique, ça fait plaisir, c'est dans la boîte. Et franchement, on se met très très bien ces méga boîtes, c'est incroyable. J'espère vous kiffez aussi cette nouvelle mise à jour, mais moi je la trouve vraiment bien. Bon, par contre, il faut le dire quand même que c'est très très cher les méga boîtes. Là j'ai payé quoi, 400 gemmes pour en avoir 20. C'est clair que 20 méga boîtes ça reste énorme. Mais 400 gemmes, les gars, faut les sortir. Il faut faire le pigeon, hein, t'as pas le choix là. Je pense qu'en free to play, 400 gemmes, il faut farmer pendant des années. Bon, allez, on va continuer à ouvrir. Espérons qu'on a plus de chance qu'avant, parce que là pour l'instant, on n'a pas chopé de dinguerie. On a chopé quelques skins de Shelly, quelques nouveaux brawlers. Mais bon, les skins exclusifs, ils sont pas encore tombés sur mon compte, ni sur ce compte, ni sur mon compte principal. Ah bon, j'avais quand même chopé un ricochet souverain des gemmes. Moi j'aimerais le ricochet souverain des blings. Et là c'est un petit peu mal parti. Allez s'il vous plaît, qu'on obtient des trucs là. Allez, j'ai pas payé 100 euros aujourd'hui, voire même plus, pour rien obtenir. Ok, objet restant. C'est qui? C'est Franck. Oh, Franck des cavernes. Il est moche ce skin. Non mais faut dire ce qui est, Franck, il y a des skins, ils sont plus beaux que Franck des cavernes. Je préfère être honnête avec vous, hein. C'est pas le skin qu'on cherchait à obtenir aujourd'hui.
il me donne une petite misérable gemme. Mais c'est pas grave les gars, moi je garde espoir. Je pense qu'il y a moyen que sur la dernière méga boîte, on chope le skin qu'on est venu chercher. Oh, encore du Franck. Les gars, ils se fichent de moi la Brawl Star. Ils ont vu que j'ai pas apprécié le premier skin de Franck des cavernes. Ils m'en donnent un, on dirait que c'était exactement le même. Cet objet restant, ça sent bon. Ça sent bon les gars. Oh, Mortis, Rockabilly. Ouais, ça va. Pas horrible, mais pas mon favori. Est-ce qu'on va obtenir d'autres? Ok, deux objets restants. Là, tu sais directement quand tu vois deux objets restants, c'est mort. Il n'y aura pas de skin ou quelque chose d'intéressant. Ok, une petite gemme que j'obtiens toujours là, c'est pas très satisfaisant. Oh là là, me dites pas qu'on a encore pigeonné une fois sur ce compte. Finalement, bah, pas obtenir grand chose. Hein. J'aurais pu me lâcher directement le brawler légendaire si c'est ça qu'on voulait. Ou les skins. Mais ouais, là, vraiment, pas de bol avec ces méga boîtes. Et c'est terminé. Bon, franchement, on n'avait pas eu de chance aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on a quand même fait les pigeons. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Mets ton gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Régale-toi avec mes autres vidéos juste ici. Et moi, les BG, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!